Bonjour, bonsoir. Bien content avec nous là jeudi. Là jeudi, c'est jeudi 8 et 8 juin. Jeudi, c'est fait bon Dieu. C'est fait bon Dieu, donc ça veut dire Haïti, Haïti dans le chômage. Jeudi, avec le chômage, pas de travail, bureau public fermé. Donc tout d'accord. Excepté pratiquement mon cap travail dans le domaine. Et puis surtout à mon petit victime, comment de terre avec l'inondation, qui est obligé de travailler quand même. Et le pays a fermé immédiat, donc tout le monde peut profiter dans son manifestation. Actualité internationale là, et guerre la Russie avec l'Ukraine, il y a tout qui a posé qu'on y a là, et même monde qui est responsable d'un groupe paramilitaire russe, qui en Ukraine est belligé, là, j'étais tout dit que qui ça t'a passé si la Russie t'a perdu, qu'est-ce que ça qu'elle a fait contre l'Ukraine. Donc, il y a un sait de doute qui a prolongé, et alors que l'Ukraine a préparé là pour lancer son attaque, pour lancer attaque pour reprendre le territoire que la Russie contrôlée en Ukraine. Donc, le président Zelensky très confiant qu'il y a des possibilités pour reprendre le contrôle et contre un parti en conseil de territoire qui a été perdu, et moyennant que la communauté internationale là continue à aider. Ça, c'est pour un parti ça, là. Et puis, je dis, dans la Maison Blanche, il y a le président Joe Biden qui a accueilli le premier ministre britannique, là. Oui, bien sûr. Le premier ministre britannique, là, Rishi Sunak, pour une rencontre bilatérale entre deux pays. Certainement, pour discuter des questions d'intérêt général, des questions qui intéressent les deux pays, que ce soit économie, que ce soit. Madame Gladys Jean-Baptiste, bonsoir. Et donc, question économique, question qui intéresse les deux pays. Donc, c'est un beau réunion qui est aujourd'hui. Et puis, campagne électorale pour la nomination du Parti républicain a commencé d'emblée là avec les candidats qui ont augmenté dans le camp républicain. Il y a une liste plus petite que 5 personnes, mais il y a un chiffre là déjà arrivé 10 personnes qui manifestent l'intention pour que je nomination du Parti républicain dans l'élection présidentielle 2024. Mais dans tête pourtant, il y a un ancien président Donald Trump et il y a tout vice-président Mike Pence. En fait, c'est la première fois que il parle dans la nature américaine pour une élection électorale et puis pour un ancien vice-président a talonné président pour nomination parti. Donc, mais deux messieurs étaient sortis et quittés le pouvoir dos à dos. Après, le président Donald Trump a fait pression pour le demander président et pour le demander vice-président qui normalement t'a fait et rate ou bien quand t'a certifié résultat élection 2020 ben il dit que le président de l'entente même vienne devant le deal pour que vous choisissez entre moi-même et constitution. Alors vice-président dit dans l'époque là il dit monsieur bon m'a choisi donc moi choisi constitution parce que je ne pas aucune provision qui bat le droit pour lui affecter ou pour lui prendre compte, pour lui mêler dans le résultat de l'élection présidentielle. Alors que le président de l'entente demande annuler le résultat de l'élection dans le de l'État, ça va permettre que Mouret sous pouvoir. Mais le président de l'entente qui était parlé tout, qui était considéré monsieur comme un lâche, et bien, il a dit que il a eu de bonnes relations juste dans fin mandat, les bails et faire l'élection, ça entrer dans le temps et venir mettre aller dos à dos. C'est un dossier que je t'ai envie de parler avec nous un petit peu. Pour me parler de nous un peu d'un candidat qui est présent. On va parler un petit peu de candidat Chris Christie et puis vice-président Mike Pence. C'est deux derniers candidats qui sont entrés dans la liste pour une nomination parti républicain dans l'élection présidentielle 2024. Et voilà. Donc c'est là nous y est. Et puis je dis, et puis n'a plus que vice-président américain Lina Kamala Harris, il est trouvé actuellement dans un sommet et leader Caraïbes, leader CARICOM il a fait dans Bahamas. Et bien vice-président il a descendu en bas avec une enveloppe plus passé 100 millions de dollars pour les bail et communauté. Notamment communauté marché comme les Caraïbes, notamment ça. Donc c'est la Caraïbe comme souci. Donc ça veut dire que le premier ministre Ariel Henry a pris un rumble ça. Et très probablement, il est capable de rencontrer tout en coulisses avec le vice-président américain Kamala Harris.
Alors, parmi les questions qui étaient des questions environnement, qui était vice-président de la République, qui parlait avec les délégués, mais qui parlait parler tout et à faire les armes illégales, qui parlait pour parler tout, et puis qui parlait du changement climatique, et puis question Haïti à tout, maintenant. Et calendrier rencontre, donc très certainement qu'en Haïti, à travers son gros crise dans la zone, donc très certainement, pour le vice-président de parler de lui, et très probablement capable de rencontrer avec le premier ministre Ariel Henry. En parlant de ça, après le premier ministre a participé dans la rencontre, il est pour le décembre, il est pour aller en Jamaïque, côté rencontre inter-haïtien a déroulé, entre les politiques, société civile a déroulé. Et c'est une rencontre qui est vraiment importante pour tout pour Haïti. C'est vrai que l'idée haïtien pendant deux ans, par exemple, il y a 40 ans, il y a des gens qui sont d'accord avec le premier ministre, qui ne sont pas d'accord avec elle. Mais finalement, l'idée qui est comme une jeune façon de rappeler, mettre monsieur dans Jamaïque, en dehors d'Haïti, pour discuter, pour avoir une solution avec Risa. Gagner et responsable HTC, c'est au conseil transition qui est le professeur Milan Maniga, et bien, il a confirmé que le monde va présent. Il y a quelques autres idées qui sont présentes actuellement, mais nous avons une liste définitive sur le monde qui est présent. Mais il y a des gens qui déjà dit qu'il n'est pas présent, et nous citons dans le CHTC, qui sont partenaires normalement, gouvernement, et qui est dans le gouvernement tout. Et donc c'est lui-même qui a fait le gouvernement sur un prophète. Et pas réforme, mais pour faire et pas étape nécessaire pour permettre que le pays avance, etc., pour débloquer la crise là. Et parce que Mme Maniga, comme parmi les raisons d'ailleurs, dit que pas grand et pas dit, et dans le cadre inter-haïtien dans Jamaïque là, qui est différent de ça qu'il a fait la semaine passée déjà. Dans fin mois de mai, elle était réunie, leader, encore plus discuté, même bagala, elle disait même bagala que, en pile, leader qu'il a, ou bien encore, même ceux ici, qui va participer dans le compte, il a fait en Haïti, alors que répond présent, pour elle participer dans le compte CARICOM. Donc, les parents, ils ne parlent pas, donc c'est raison ça. Et puis, il était quoi, on rencontre le sujet sur Haïti, pas t'avoir discuté en dehors d'Haïti, c'est le discuter local. Donc, c'est raison ça, madame, elle dit, bye pour l'aller, que le dit pas, que le dit pas, que le dit pas, que alors, nous ne pouvons pas prendre notre représentant, mais parce qu'il dit lui-même, il n'y a pas parlé. Et puis, il y a un gros diffus, mes amis, qui prend dans le Canada. Dans Canada et diffus Sahara, qui est le diffus forêt, ou bien feu de forêt. Et bien, la fumée commence à affecter les zones côte est. Par exemple, Valéo qui est dans New York, qui est obligé de mettre et marcher avec un masque en figuille, parce que et l'air la pollué, donc il y a un courage tout le monde qui sous côte S là. Et il y a même nous, même pas bon ici à tout, nous sommes capables d'affecter tout le monde parce que la fumée a monté. Et ça est capable de faire tout, surtout sur le volaille qui a affecté les pilotes, un peu de visibilité, etc. Donc il y a un gros déblosage avec le feu de forêt ça. Et en fait, qui menaçait toute côte S à point de vue visibilité, donc il faut remplir l'effort qu'il fait pour montrer remplir pour que ce soit passé. Et là, la polluer, demander aux populations pour mettre protéger, peut-être mettre masque pour empêcher d'aller. Et puis nous gagnons un bon, pour qu'on fait visite Washington sur Haïti, sous crise politique en Haïti, ou la situation de sécurité en Haïti, qu'on fait là dans Washington, et en principe, l'état de fin dans le SA, et collaborateur nous jeter au Bustin sur place. Il va venir avec nous, ça pour nous, il va dire directement qui ça que l'Express AO te dit dans le tableau où ça que l'on fait sur Haïti, à côté de parler de la sécurité, est-ce qu'il y a une proposition, est-ce qu'il y a une proposition, une solution que l'on propose, quand il va bien pour expliquer nous avec ça. Et puis, rencontre qui était de gain, ça va gagner longtemps entre Washington, entre le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, avec la Chine, en Chine, avec l'autorité chinoise. Nous avons constaté que tu es renvoyé et après, ballon espionnage chinois t'es survolé et territoire américain. Et bien, on constate encore, il y a un programme encore, donc c'est l'État américain apparaît pour faire rencontre pour rencontrer l'autorité chinoise, donc pour visiter la Chine et dans le temps qui part trop là. Mais on constate de fait déjà, il m'a été renvoyé et à suite qu'un ballon espionnage ça, que la Chine, un ballon espionnage téléguidé, que la Chine était déplacé sur le territoire américain, qui est pour prendre
collecter information. Donc aviation militaire américaine était descendu ballon hein. Bon, pas de résultat qui ça que je n'ai jamais dit ballon était même longueur avec un autobus gros autobus jaune et les fromages autobus jaune et school bus l'école yo, et même longueur ça était mais qui était incapacité mais autorité chinoise était dit que t'as été agi trop brutal trop vite et soit fait ballon pas de combat pour te faire bruit comme ça. Et que son ballon qui était perdu du contrôle, son ballon scientifique qui a fait expérimentation scientifique, etc., mais pas de gain pour voir avec l'espionnage militaire, et que les États-Unis ont fait d'autres bravards là, bon, le dossier n'a pas fait, mais les États-Unis n'ont pas gagné ce taxi sorti sur des brio que les autorités américaines ont été prêtes. Et ce n'est pas qu'un seul ballon qui a été gagné, on a trois ballons pour ça que monsieur de descendre, et ça a été fait plus bruyant, ça a été volé sur le Canada et puis aux États-Unis. Dans la zone et dans le territoire à Caroline du Sud, et bien, l'aviation militaire américaine était descendue par ça. Et puis, il était ramassé pour le débrouillot, il était comme ça là-dedans. Et puis, bonne nouvelle là, c'est une nouvelle surprise, hein. C'est Léo Messi qui a annoncé qu'il va jouer dans les footballs pour les divisions américaines que les MLS. Et il a choisi pour jouer dans l'Inter de Miami. Donc, fanatiquement, Amio, mais si y a venu de nous, donc dégagez nous. Mais nous avons dit que l'équipe Miami n'est pas trop, il pas mené trop bien dans le championnat MLS. Au contraire, l'équipe ça a même pour un match. Et c'est à partir de demain matin, il y a un match pour jouer avec la sélection nationale Haïti, on a parlé de l'équipe Grenadier, qui a participé dans la Coupe de CONCACAF. Et la Coupe de CONCACAF qui a déroulé aux États-Unis, Haïti a 3 matchs. Haïti a vu contre Qatar, Massa a fixé pour le 25. Ensuite, il y a eu contre avec Mexique, il n'est pas facile du tout. Et puis, il y a eu pour rencontrer avec Nicaragua. Non, ce n'est pas Nicaragua, Honduras. Donc, c'est Qatar, Mexique et puis Honduras. Donc, si Haïti remporte 2 victoires, la participé dans la 8e de finale, sur le quart de finale. En nous, à côté de ce qui va bien dire pour aller, et puis on n'a pas bloqué la sélection football féminin pour y en préparation pour là. Il a choisi côté quoi faire, commencer la préparation, c'est pas le 19 juin, je vais aller en Suisse, pour aller entraîner en altitude, avant de traverser aller en Corée du Sud, et de Corée du Sud, encore de rejoindre le match amical là, de rejoindre le match amical en Suisse, ensuite le match amical en Corée du Sud. Et si je vais aller dans Adélaïde, en Australie, que je vais jouer un autre match amical avant de rentrer dans la compétition d'emblée. Haïti est pour le même groupe. Il est pour le premier match ici, mais avec l'Angleterre. Ensuite, il est pour le monter avec la Chine. Et puis, il est pour le rencontrer avec le Danemark. Ça, c'est la sélection football féminin. Haïti est sûr pour vous. En principe, tous les joueurs se sont réunis. Il y a un grand joueur qui a annoncé qu'il n'est pas là encore parce que, pour raison que le Conzo Boy. Avant que le championnat Côte d'Ivoire ait fini, monsieur a pas de l'abdu top temps, donc il est désisté avec un peu de regret pour ne pas représenter Haïti dans le championnat. Mais Jean-Baptiste a parlé là, Haïti qui est en bonne sélection pour les non-joueurs, notamment qui sont censés faire partie de la sélection et de l'Ontario. Et bien bon, pratiquement, et puis n'a plus qu'équipé dans le basketball, l'équipe Denver a remporté une deuxième victoire devant Miami. Donc, on y arrive, M. Denver Nuggets a mené 2-1 dans la série 7 matchs qui doit déterminer et champion, nouveau champion, on va dire, nouveau champion national NBA pour saison. Donc, Denver a mené, donc demain, c'est va le 4e match, à nous, ça va le passer. Donc, Denver a remporté un match à Miami, donc, on a su que ça va le passer. Fred, dis-nous que. Monsieur Lambert, comment est-ce Monel Lambert. Alors, comment va être tout le monde t'a parlé, il a dit que l'équipe de Denver qui va être dimanche, ce qu'on a fait en compte là, bon, c'est de bonne guerre. Mais il a dit que Denver l'a chargé pour être un titre que l'a chargé pour avoir ce rapport. L'équipe a gagné la fois, alors qu'il a dit que l'équipe a été pris un top temps au repos. Après, il a fini de remporter ses 4 matchs à l'écran. Quatre matchs, donc il était un top temps parce que c'est l'équipe Miami qui était en difficulté avant qu'elle était qualifiée parce que l'équipe Miami était obligée de jouer un match d'appui, c'est-à-dire un 7e rencontre face à l'équipe Boston. Alors qu'elle a mené devant l'équipe Boston,
et pour être capable et un ticket pour la jouer finale pour déterminer champion national là. En tout cas mes amis, moi salue nous, je dis à tout le monde dans la calme, full house, les full house tout le monde dans la calme, je dis à et Yumi c'est correspondant nous dans Atlanta, monsieur avec nous, monsieur dans la calme, je dis à tout, monsieur travaille à l'amgré, monsieur travaille là sérieusement, monsieur après le préparer quelque chose sous sport pour nous. Je me suis dit que c'était un peu. Et puis, Valerio, dans New York, a parlé de l'effet à faire et feu de forêt, ça a fait gagner sous communauté côté de l'IA. Parce qu'en sous-côté des États-Unis, nous avons la fumée, en gagne goût à la même, surtout, monsieur. Mon environnement est ici. Et moi-même, je parle surtout de campagne et pour nomination à la République, qui t'a censé lancer et avec une liste candidat. Bien long, on va parler de ça. Et puis, avec notre chien encore, que la situation du pays d'Haïti, et nous verrons dans tout ce qui a travaillé, nous avons eu un travail, Machado, nous avons travaillé tout. Et nous avons bien, comme d'habitude, un bon journal. Nous avons passé un bon après-midi en compagnie de la Voix de l'Amérique, visiter toutes les plateformes New York, qui sont en rage, nouvelles qui ont passé. Et puis, nous rappelons que Karim Benzema, qui passe près de 14 ans à jouer dans Real Madrid, et M. Pounel va jouer en Arabie Saoudite, et M. signe un contrat là, et en pile l'argent, mes amis. En pile cob. Donc, en pile, on était quoi, Léo Messi a parlé en Arabie Saoudite, tout. Il y a un bruit pour lui-même, ensuite, il n'a pas été, il a parlé dans FC Barcelone, où il a défini parler, papa, qui est manager, Jorge Messi, il a parlé tout, il a rencontré avec les responsables. Et FC Barcelone, bon, j'ai dit que il y a un peu de choses pour que Messi t'arrive dans FC Barcelone. Retourner dans FC Barcelone, je ne sais pas ça qu'il fait. Donc, Messi choisit lui-même, il peut aller jouer, il peut aller dans Inter Miami. Bonsoir tout le monde, bon après-midi. À Paris.